Bonsoir YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode sur Judgment. On va sortir de la tour. J'ai pas forcément envie de m'intéresser aux courses de drones. Même si c'est sans doute rigolo, hein, mais j'ai pas envie. Donc on va aller... Une petite vis. On va aller retrouver Kaito au Koi Hybride. C'est juste à côté en plus. Comment j'y accède à ce truc-là? Ah bah c'est juste là. Koi Hybride, ça doit être là. Hop. Il y avait encore une vis là. Il y a des vis partout. De l'aluminium terne. D'accord. Ah! Ah, oh, c'est cool ça. Ah, mais. Ah! Tark, ça va relancer une cinématique. Ah non, c'est pas une cinématique. Donc c'est comme un bar, mais tu peux pêcher du poisson du coup. Tu peux te détendre en pêchant de la carpe au koi. Pourquoi pas? La musique s'excite, c'est des ennemis. Ah! C'est reparti. Ils sont 6 minimum. Mais il est nul. Pourquoi il a cassé toute sa... Il mentait bien. Bah oui, il est con. Oh. Un couteau. Un petit canif. Bon. Des loubards. Je suis pas sur le bon style de combat. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux là. Ah, si seulement j'arrivais à récupérer le banc, ça pourrait être bien ça. Pour voir ça. Oh oui. Allez, ça c'est fait. Ok. C'est gagné. C'est toi en fait qu'on devait voir, c'est ça? Ah non, d'accord. Ok.
Sérieusement? Il nous a testé. Ah! Ok. Ça devient lourd là. Arrêtez avec les... Ah, un escalier. L'amour, l'amant. Ouais, ils aiment bien le français dans le jeu, hein. Ah, enfin, des gens qui respectent notre culture. Vous avez obtenu 300 jetons de casino et la clé de l'amant. Ok. Donc, il faut qu'on passe derrière. Tu vas voir que là, ça va être super beau et tout. Ça va être super chic, ouais, c'est clair. Faut que j'utilise la clé. R1. Ah ouais, oh! J'ai vu une petite lapine, voilà. Ah. Hop. Ouais non, ça me fait toujours de l'ombre en fait, c'est casse-couille. Faire quelques parties. Alors, c'est du blackjack, ça. Par contre, ça c'est quoi du coup? Du poker. Premier qui me dit dans le chat, poker ou blackjack? Allez. Blackjack. Voici la table de Blackjack. Vous joindrez-vous à nous aujourd'hui? Oui. Bien sûr, si vous avez de la place. Allez. Les parties à faible enchère commencent à digiter la partie. Eh ben pourquoi pas. Ok. Donc, je mise, j'ai pas le choix. Je mise 10. 9. 9. Oh! Moi, 18, je reste. 18, je reste. Oh, 10. Pioche notre carte. 18. Comment ça gagne? Merde! Continuez de jouer. Je mise. Bâtard. 18. Putain, mais 18, je reste. Hein, parce qu'il faut faire 3. Il faut faire 21 pile. T'as pas le droit de dépasser. Si tu dépasses, tu perds. Je suis déjà à 18. Je reste. Je reste. 3 et 9, 12. 13. 21, connard. Ah, c'est pas vrai. Je mise. 4. Ok. Je tire. 10. Comment ça, 20? Attends, non, j'ai 20? Ah merde, non, si j'ai 20, je reste. 2, il a 4. Attends, l'as.
20, égalité. Là, c'est 1 ou c'est 10 en fait, là? Je comprends pas. Parce que tout à l'heure, là, ça lui a fait 1. Pourquoi moi, là, ça fait 10? Ah, c'est 1 ou 10. Ah, bah oui, d'accord. Bah, je mise, vas-y. Je veux bien en gagner une. Fait 18 là déjà, non? Eh ouais. Ça fait 18. Je reste. Je suis peut-être un peu trop prudent. 17. Ah, voilà! Quand même. Merci. Allez, j'en regagne une et je pars. 10. 17. Je suis joueur, je tente. Allez, je suis joueur, je tire. Merde. Tant pis. Oh, il fait 20 en plus. Ouais, allez, c'est bon, on a compris. Quitter. On a fait suffisamment de parties, je pense, pour avoir déclenché la cinématique. Quelle horreur. Ok. Voilà, j'y ressemble à un SDF quoi un peu. Hein. Détective de la police de Tokyo. Brigade anti-gang. Ok. Il a vraiment le style... Mal rasé, mal habillé. ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会へのみかじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。教令会のヤクザが目をえぐられてる。Oui, c'est un repo aussi. Hamura o taiho shita no mo Kuroiwa da. De, anta wa Hamura o muzai ni shite, sono Kuroiwa ni akappaji o kagasete. Ah, c'est pas notre faute en même temps. Ah, d'accord, il est content. Ore wa anta no fan da. Shokai service da. Odai wa kekkō. Kuria 黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料。ああ、très bien、merci。この間裁判やったのも入れて、三件分だ。On va enfin progresser un peu。quoi。大事に頼むぜ。もし外に漏れたら、あんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら。殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。カムロショウ、verreux comme pas deux。On y trouve tout ce qu'on veut。さっき言ってた黒岩ってのはどんなでか。黒岩はカムロショウのヒーローでね。押し出しが効いて、部下の人望も厚く、検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃあ、あんたはなんで嫌ってるんだ。完全無欠だからだよ。あんた、自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。いやだね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや、正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。ああ、oui, en effet。Va sans doute falloir le retrouver. Peut-être. Pour qu'on nous demande de voir son visage et tout.
Non, moi je vais repartir. Je vais aller à mon repère, ma Batcave. Ça, c'est un fessier rebondi. Ah, punaise. En plus, regarde le fessier qui regarde. Il regarde notre pote. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh, ces discussions. Vas-y, y a pas autre chose. Bon, c'est nul. Oh là là, c'est nul. What a conversation. Oh là là. Zut. Pardon, excuse-moi, pardon. Alors. Par ici. Sûr, je vais tomber sur un gang avant de rentrer. Chez moi. C'est sûr. Pas jamais rien de nouveau, c'est toujours la même merde. Eh ben. Eh ben, finalement, non. On va avoir la paix. Aïe. Encore une cinématique. Y'a que ça. Ah! Oh non. Encore le même gang? Ou pas? Agresseur mystérieux. Les gens dans le fond. Ouais. Aïe. Ah, c'est toi qui as la barre de vie. Il n'y a pas un qui veut accepter de lâcher sa batte. Aïe. Oh oui. Oh. Vraiment que je fasse gaffe à mes barres de vie, moi. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est gagné. Il va falloir encore que j'aille acheter de la nourriture dans un magasin. Il y a moyen. Ça veut dire que c'est vraiment important ce qu'il y a dans cette enveloppe. Donc il serait grand temps d'aller regarder. Oh punaise. X. Oui, parce que j'ai une aptitude maintenant qui, si j'ai déjà utilisé la clé, il me dit automatiquement laquelle est la bonne. Et ça, c'est pratique. C'est très pratique. Bon, bah, examiner, hein. On va pas perdre de temps.
calme. On est, c'est posé, hein. Petite musique lounge. Si seulement. Quoi, t'as réellement gagné 1 million de yens? Combien 1 million de yens? Attends, parce que là... Ça fait 8500 euros. Ah vache. Ah. C'est la deuxième victime de la taupe. Les yeux arrachés comme Kume. Ce jeu. Ouh. Alors, hop, c'est bon. Allons-y. Donc là, on va aller dans un endroit où il y a de la demoiselle, quoi. Hein. Par contre, entre-temps, j'aimerais bien aller dans un petit resto m'acheter de la bouffe. Si possible. Ça, c'est un petit italien, ça. On va pas être contre. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je peux pas passer. Pardonnez-moi, monsieur. Aux un moment, je m'appelle Sagara et je suis gérant. Nous organisons actuellement le défi du Alp Café, notre concours spécial de dégustation de café. Vous pouvez goûter plusieurs sortes de café gratuitement, donc rien à débourser. D'accord. Du café gratuit. Bon, vas-y, pourquoi pas. Je suis prêt. Très bien, permettez-moi de vous expliquer le processus. Je vais commencer par décrire 4 sortes de nos meilleurs cafés. Ensuite, vous choisirez une tasse de café à boire, les yeux fermés. Je vous demanderai alors de deviner de quel café il s'agissait. Plutôt simple, non? Ça me va. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques astuces pour une dégustation de café réussi. Les saveurs les plus faciles à reconnaître dans le café sont l'amertume et l'acidité. Les gens peuvent décrire ces saveurs comme intenses ou même piquantes. La saveur délicate à définir est la richesse. C'est peut-être une vague sensation. Je suis pas sûr, j'ai pas compris. Dans notre café, on définit la richesse de la façon suivante. Une saveur corsée et profonde qui reste en bouche à un long moment. Oui. En d'autres termes, elle n'est certainement pas légère et ne manque pas de mordant. Le goût, c'est une sensation complexe, ne pensez-vous pas? Il est bien plus large que ce qui se trouve sur la langue. Par exemple, il inclut l'odeur ou les sensations procurées. D'aucuns disent que le goût est subjectif, mais je suis sûr que c'est pour cela qu'on l'apprécie. Il est si vaste. Ça ne vous semble pas être le cas? Vous marquez un point. Tant de choses entrent dans la définition de la saveur. Absolument. Sans plus attendre, je vais partager avec vous nos cafés du jour. Pour votre plaisir gustatif, nous proposons Jamaïcain, Kona, Java Robusta et Café Mélangé. Le Jamaïcain est mondialement connu pour sa saveur profondément amère et sa légendaire touche de douceur. Mais sa caractéristique majeure est son arôme puissant et prononcé. Il possède aussi un arrière-goût rafraîchissant. Le Kona est un célèbre café originaire d'Hawaï, réputé pour sa forte acidité et son goût rafraîchissant. Grâce à son manque relatif d'amertume, il est plutôt facile à boire, il dégage même un parfum doux et léger.
Le Java Robusta est faible en acidité et reconnu pour sa riche saveur, semblable au blé grillé. Sa saveur amère et sa douceur profonde lui donnent un goût moelleux qui n'est pas trop riche ni prédominant. Le café mélangé fait la notoriété de l'Alpe Café. Finement torréfié, il entre dans notre formule petit déjeuner. Son arôme fort et sa saveur amère vous réveilleront instantanément. C'est bien pour cela que nous nous servons le matin. Ok, d'accord. Que dire, j'adore le café. Ah, bien sûr. Alors maintenant, allez-y, vous pouvez goûter qu'une gorgée. Oh. Je dois donc regarder le tableau et bien noter le goût. Quelle tasse robuste de kawa. Je peux presque sentir l'odeur chaleureuse du blé grillé. C'est un Java. Ouais, c'est un Java Robusta. À cause du blé. Le café que vous avez choisi est correct, monsieur. Vous avez le palais d'un verre épicurien à votre santé. Ah, j'imagine que c'est une bonne chose. Absolument. Avez-vous pu entièrement savourer les facettes complexes et décadentes du café? Oui, j'ai senti que j'ai compris le café. Ah, splendide! Ah, ce concours de dégustation a rempli sa mission. Je me considère comme un passionné de café, j'aime le café de tout mon cœur. Je me marierais au café si je pouvais. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à choisir de boisson de nos jours. Moi, je bois de l'Evian, pas un sponsor. Je suis fier de connaître les nombreuses subtilités du café, mais ce qui compte, c'est la préférence de chacun. Les gens devraient simplement choisir ce qu'ils aiment, tant que le goût leur convient. J'y crois dur. Dur comme fer. C'est pourquoi j'ai organisé cet événement spécial, pour permettre aux gens d'apprécier le café, sans souci. C'est certainement le discours sur le café le plus inspirant que j'ai entendu. Je suis d'accord, c'est amusant. Ah, merci, n'hésitez pas à revenir définir votre perception du goût en dégustant nos cafés. Ok. Oh putain, il faut le faire au moins 3 fois en plus. Donc, sinon, un petit peu de manger. Vous faites à manger ou... Oh, bah bien sûr. Un Mont Blanc. Plus un... Allez, un petit... Allez, plus un Blue... c'est cher. Plus un petit mocha, voilà. Avec un petit mocha, comme ça, pas piqué des hantos. Des... Je crois. Vous avez gagné un bon Camurogo pour avoir dépensé au moins 1200 yens. Okay. Alors, sachant que, personnellement, je ne bois pas de café. Je n'ai jamais bu de café. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc... L'odeur ne me plaît pas. Le goût, je peux pas vraiment parler. Hein. Ouais, salut vous. Oula, oh là là. Aïe. Non, mais je viens de prendre un café. Vous allez pas me saouler là. Hein. Voilà. Non, tu ne t'énerves pas. Tu ne t'énerves pas. Parfait. Il y a une petite pièce là pour mon drone. Du carbone cabossé. Du carbone 14. Alors, poussez-vous. C'est où qu'il faut qu'on aille? Ah! Érotique, mari, quoi? Kanban Wife, le dernier endroit où Kunimura a été vu vivant. Ça, c'est les prix. Mais vu qu'on parle pas japonais, on sait pas. Bonjour, monsieur. Cache son visage. Vous voulez une femme? On a Yuna-chan, Marie-chan et Kanae-chan. Voici leur photo. Demandez la fille de votre choix coûte 1000 yens de plus. Ah là, c'est votre première visite. Pourquoi prendre plus de 35 minutes?
Bah je vais prendre 30, 35. De toute façon, c'est bon, je vais faire que parler. Pas prendre plus. Un choix des plus raisonnables. Kanae-chan. Est-ce le bon nom? Bah oui, c'était le bon nom. Oui. €76 la demi-heure, c'est pas si décadent par rapport à chez nous. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, surtout que là, ça a l'air d'être quand même propre. Hein? Ce qui est bien, c'est que le seul truc qui est pas mis en caractère japonais, c'est Afro. Les bandeaux. Elle aime pas être blindfold pour faire ses petites séances de plaisir. Donc, c'est pas pour moi hein, quand même les tenues. Ah, c'est tellement impersonnel, c'est impressionnant. Je n'aime pas trop ça. Hein. Alors là, j'ai un petit peu peur pour moi, pour mon YouTube. Hein? J'ai un peu. C'est un homme. Ah! Non, bah c'est bon, j'ai pas peur pour YouTube maintenant. Ou alors c'est peut-être lui Kanae-chan, hein. Parce que je pense qu'il savait qu'il allait se faire gauler de toute façon, même s'il mentait. Bon, définitivement, hein, ça, il prouve bien qu'il cache quelque chose. Hein. Si on avait quelques petits doutes, là, c'est certain que il essaye de couvrir ses arrières. Et j'ai dépensé plus de 8000 yens là-dedans, quoi. Ok. Bon. Je peux prendre un taxi pour aller directement vers un truc ou pas?
ça m'intéresse. Ah punaise, mais c'est nul, on peut même pas voir où est notre point. Non, bah non. C'est où? Si, c'est loin, ouais. Ok. Je prends un taxi. On va là. J'espère juste que le temps de chargement est pas trop long, quoi. Sinon, c'est un peu dommage. En tout cas, dans une si petite ville, il se passe quand même beaucoup de choses, hein. Oh, ça sent les loubars, ça, devant, non? Non, c'est bon. Poussez-vous! Pardon! Excusez-moi. Le jeu est sorti l'année dernière au Japon, et au mois de juin, si ma mémoire est bonne, en Europe. Oh là, oh là là, oh là là. C'est la drogue, c'est la drogue. J'ai bu trop de café. Oui, bonjour. Encore 100 points. Ikinari da ga yo, Tabo. Ketsuron kara yu zo. Ah bah merci beaucoup. Ah, c'est le patron, mais il a plus d'autorité, c'est ça que t'es en train de me dire. Ouais. Ah. Super. Hein? D'accord. Oh là là. Hamura no kashira kara Yagami-san ni dengon desu. Koko o detara sugu ni oide itadakitai to. Basho wa Nakamichi dori. Ah bah super, on retourne à l'antre du café. Mou ichido hanashi ga shitai to no koto de. Soka. Ki ga muitara iku yo. Ouais, c'est bien, on s'en bat les couilles de ton avis, mec. Bon. Oui, on a intérêt à y aller. Sinon, ça va mal se passer. Purée, mais du coup, c'est super loin, quoi. Je reprends un taxi, hein, ça continue. Putain. Ça... Oups. Exagérez pas non plus. J'ai des difficultés à uriner derrière moi. Ah mais ce jeu c'est une succession de surprises quoi. C'est... Tu te dis à chaque fois mais ça peut pas aller plus loin. Et si, le jeu trouve toujours... Ce racoleur adore parler nichons, dommage. Je suis plus porté sur les fesses. C'est...
Un fiasco total ce groupe Tate, ces vieilles peaux étaient préhistoriques. Mais... Allô ? De l'argent. Oh, 10 000 yens ! Oh, ça paye bien, ouais. Merde. Aïe. Non, j'avais le... Aïe. Cours, cours contre le mur. Eh, quand je te demande de faire des trucs, fais des trucs. Voilà. Mais putain, mais c'est pas vrai. Oui. Voilà. Ça, ça fait mal, ça. Viens ici. Viens ici. Oh merde, je prends trop de temps. Je suis en train de prendre trop de temps. Faut que je me dépêche. Oui. Oh, de justesse. Bon bah j'ai faim du coup moi. C'est une quête secondaire, ça. Eh merde. Quel est ce bruit? Une alarme? D'où vient-elle? Oh, une bombe. Ah! Fuyez! Appelez la police! Courez! Ce sont des terroristes? Une opération des Yakuza? Encore ce bruit. Une autre bombe. Eh merde! Moi, je voulais juste manger un steak! Elle est là, la bombe, on la voit. Examinez. Là! Ah, c'est bien une bombe. Maman! Comment ce gamin est arrivé? C'est dangereux. Ce gamin pourrait se faire. Que faire? Que faire? Que faire? Mais que faire? On n'a pas le temps de réfléchir. Merde! Il reste que 15 secondes. C'est quoi ce bordel? Merde, plus le temps. Faut agir. Et... Pouette. Hein? Attends. Survécu? Yasukun! Maman! Je suis désolé. Oh Dieu, merci. Ah, j'ai cru qu'on était foutu. Un appel. Qui peut bien m'appeler avec un numéro masqué? Allô? Il y a des bombes dans Kamurocho. Pardon? J'ai dit, j'ai posé des bombes dans Kamurocho. 3 au total. La première a explosé, comme vous avez vu. La deuxième, vous venez juste de la désamorcer. Il en reste donc encore une. Minute! Qui êtes-vous? Comment vous avez eu mon numéro? A-t-on vraiment le temps pour ces questions? Vous avez 5 minutes avant qu'elle explose. Si vous voulez éviter de nouvelles victimes, je vous suggère de commencer à chercher. Attendez. D'accord, je vais chercher. Mais où? Dites-moi au moins où. En effet, ça ne serait pas équitable si je ne vous disais rien. Je vais vous donner un indice. Elle se trouve dans l'ange du dédale du guerrier. L'ange du dédale du guerrier? C'est un indice, ça? Réfléchissez un peu, voulez-vous. Et n'oubliez pas, l'heure tourne. 5 minutes. Si vous échouez, ce sera la catastrophe. L'ange vit des dalles du guerrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, non, mais là, ça pue la bite, en fait. Faut que je cherche un ange. Ah.
Ça peut pas être trop loin non plus, faut pas déconner, mais mais où? Oh non. Je vais jamais la trouver, la bombe. Jamais. Merci pour toutes ces pièces, par contre. Fuck! Ouf, ta map. Bah, mais non. Putain, j'ai même pas le droit des noms des petites rues. Le détail du guerrier. Y a aucune rue qui s'appelle comme ça. Rien qu'à le nom, quoi. Y a rien. Y a un resto Earth Angel, quoi. Sérieux? C'était avant. Il est où? Putain. Là-bas. Ok. Ah non, pas les loupards, hein. Pas les loupards, pas maintenant. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Oh purée, je vais me les retrouver avec... Non, c'est bon. Ça fait bip bip. Oui. Où est la bombe? Trouvé. C'est le même type de bombe que l'autre, je devrais donc pouvoir couper le fil. Ça a marché. Le décompte s'est arrêté. Dieu merci. Allô? Bon travail. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Quel est ce jeu? Chut. Pas de précipitation. Vous avez été choisi, voyez-vous. Choisi? Choisi pourquoi? Choisi pour m'arrêter. Si vous échouez, Kamurocho finira sous les cendres. Ce n'est pas terminé, je le crains. Maintenant, soyez sage et attendez. Hey, il a raccroché. C'est qui ce type? Il a dit que c'était pas terminé, mais je fais... Merde, je fais quoi, moi? Bah, je fais rien. Voilà. C'est la mission secondaire, elle est terminée, donc c'est bon. Et donc, on va aller... là-bas. Merci pour ce petit aluminium terne. Aluminium! Par contre, je t'ai demandé un truc, quoi. Hein? Merci. Ah oui, on va bientôt arrêter, en plus. Bah, on va aller à le café, on va faire la petite cinématique, et puis on va arrêter là, quoi. Comme ça, je regarderai où j'en suis à peu près dans le chapitre 2. Ça nous permettra de savoir. Alors. Oula, il y a du monde. Oula, là, il y a beaucoup de monde. Oula, là. La muraille n'était pas censée être déjà là.
Je vais peut-être grailler juste avant. Je peux grailler ou pas? Oh non, me dis pas que tu refuses. Ah, oh, elle refuse que je graille. Espèce de saleté. Ma pièce! Bon bah, je m'assois. Fais suer. J'ai pas pu grailler mon morceau. Il est derrière. ふざけたまねしやがる。俺はただ頭とこじれた件をやっさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前が大人しくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今ので手打ちです。 Qu'est-ce qui se passe? Ah! Avec la petite musique d'ambiance, j'ai un petit peu les pétoches là d'un coup. Me dis pas qu'on va devoir se fight. J'ai pas pu grailler mon morceau! Il est gros! Oh la vache! どうせ口で言っても聞かねえんだろ。多分元弁護士だろうが所詮はゴロ付き上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。はい。はい。尾崎。 Oh non. Ah ah ah. Ok. J'allais dire s'il crache pas au moins un peu de sang ou s'il saigne pas, c'est un peu nimp. Ah ouais, non, ils l'ont mis dans un sacré état. Oh la vache. Non. Tu te fous pas de ma gueule quand même. Oh non! Ah non, 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 famille Matsugane. Quoi, c'est une QTE? Quoi? Pas du tout. Bah non, ma poubelle! Ma poubelle! Ma...
Comment ça c'est pas passé? Allez, passe, 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 passe. Passe. Enchaîne, enchaîne. Oh merde, il m'a cassé ma garde. C'est bon. Oh bah ça va en fait. Oh non, pas le gros. Oh non, pas le gros, pas le gros, pas le gros. Non, 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 non. Ah, oh, puis il y a les petits avec. Je suis pas dans le bon style de combat. Oh les mecs. Oh oui. Ça, quel plaisir. Oh la vache! Pourquoi? Comment je me suis retrouvé transporté là-bas? Ah mais d'accord, mais en fait je peux pas garder avec lui. J'ai juste pas le droit de garder. Eh mais stop! Stop! Change de style. Change de style. Bah, et mon EX. Ok. Allez, fais ça. Mais non. Pourquoi il tombe l'autre sac? Ah. Oh. L'esquive du coup de boule. L'esquive de la prise de catch. Mais lui un coup de poing. Quoi, c'est tout? Oh merde. Ah, il m'a fait une blessure mortelle, sérieusement. Allez. Oh putain, eh, ça fait. Le jeu il fait pas semblant. Hein. Oh la vache! Casse la garde, casse la garde! Casse la garde! Allez, il faut que tu casses la... Continue à casser la garde. Voilà! Wouh! Tu changes de style comme tu le souhaites? Oui, bah en fait il y a juste un bouton appuyé, mais après ça va. C'était pas dur! Oh, c'est le vomi. Non, ça va. Allez, cassez-vous. Cassez-vous, la pègre. Oh non. Bah oui, hein, ça fait bizarre de tuer quelqu'un, hein. Ah! Copain! Sérieusement? Copain? On va savoir t'es qui. Ah bah très bien! Ah bah moi je prends! Ça passe. Il y a une séquence d'esquive ou pas? Enfin de fuite. Ah oui. Voilà.
Tiens, je vais presque plus vite que lui. Non, non. Oh, de justesse. A chaque fois, je veux faire avec le joystick droit alors que c'est le gauche. Ok. C'est bon ? Non, toujours pas. C'est long. D'accord, le parcours, tranquille. T'as conscience que je me suis fait casser la tronche et que moi, ça va pas trop être possible de faire ça. Je vais devoir me battre. Ah, carrément! Non, mais... Vas-y, accroche-toi à la voiture, accroche-toi à la voiture. Yes. C'est quoi cette façon de conduire? Oh non, mais... Oh non. Pas possible. Pas possible ce jeu. Allez, mais vas-y. Ah non. Allez, on fait du skate. Ok. Ah, on repart à pied. Ok, on repart à pied. Ah oui, j'ai vraiment lâché le skate en plus. Bon bah. Aïe! C'est passé. Aïe. Voilà! Parfait! C'est un Love Hotel à gauche, je crois. Incroyable. Boîte. Pourquoi cette petite... C'est de la contrebasse? C'est quoi cette petite contrebasse du sexe, là? Non, mais ce jeu... C'est long. Nope. Dimanche la prochaine fois. Pourquoi
Ah bon? Yakuza ni nerawarer yu yona shigoto? Jōdan de shou. Sakki no yatsura wa toujou kai no matsugane gumi da. Hoka ni kyōrei kai tomo ore wa mometeru. Chotto omoshiro sou de wa aru kedo sa. Bokura mada otagai ni shinyō dekinai de shou. Yagami-san. Tu connais mon nom? Comment ça se fait que tu connais mon nom? Ce soir, c'est que de voir. Bon, bah voilà, là on devrait pouvoir enfin s'arrêter. On a fini le chapitre 2. Yeah. Voilà. Parfait. Super. Donc, prochain live qu'on fera, on entamera le chapitre 3. Le casse. Très bien. Ah oui, je suis obligé de faire la cinématique. Con de toi. Je peux pas la passer celle-là. Hein. Je vais tenter de la passer, c'est peut-être risqué. Je vais passer précédemment au moins. Euh, 6h30 de chapitre sur combien? Sur 12, 12 plus un final, donc 13. Si on compte le final comme un chapitre. On part sur une moyenne de 35 heures à peu près pour faire le jeu apparemment. Bon, c'est bon, il s'est cassé. J'aimerais bien arrêter le jeu là, s'il vous plaît. Ça y est, parfait, c'est bon. Allez, on va arrêter là pour Judgment. Donc, rendez-vous ce soir à 20h30, donc pour God of War, avec un petit peu de clean-up donc, sur le jeu, puisqu'on a fini l'histoire principale. Voilà, voilà. Et merci YouTube, bien évidemment, pour la vidéo.